www.casarima.fr. Casarima.fr. Et surtout, je risque d'être mal compris pendant que je suis sur le plateau. Mmh. J'ai mal au cœur. Excusez-moi. Alors, je disais ceci. D'abord, j'ai plus d'éléments très importants. Bon, c'est pas grave, ma soeur. On va essayer de faire avec le temps. C'est pour permettre à ce que tout le monde parle et de pouvoir aborder des questions. Le bien-aimé. Docteur Roger. Docteur Adélard. Docteur Adélard me dit que. Il reconnaît avoir été prêché par... Bon, là, on revient dans l'histoire. Et dans l'histoire, je ne vous cache pas que j'ai tout à contredire. Ça, c'est la première des choses. Je ne l'entends pas de cette oreille. Il faut que je sois corrompu pour ne pas en parler. C'est-à-dire pourquoi je vais dire ça qu'il cite le pasteur Tona. Le pasteur Tona, je le connais depuis mon enfance parce que dans cet évangile, j'ai cru à l'évangile éternel en 88, à l'internat, à Kipemba. J'ai été ramassé par les billets des pasteurs Betou, Koumessou, prophète Kiala, le frère bien-aimé Jean-Jacques d'autres. Je n'ai pas cité tout le monde, donc je connais l'histoire de l'évangile éternel et je sais comment dans cet évangile on accède au ministère. Ça, c'est un autre débat. Je ne parle pas des partages. Je ne sais pas venir partager. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez? Je reproche le fait que le docteur Ndaye, devant le public, dit qu'il se reconnaît avoir été prêché par tous ces hommes de Dieu. Il reconnaît ça publiquement, alors que dans les faits, il fait le contraire de tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu. Il a cité le bien-aimé Jean-Pierre Moubenga. Nous avons vu le parcours du bien-aimé Jean-Pierre Moubenga. Je peux en parler parce que c'est quelqu'un que j'ai connu. Dans cet évangile, il y a une façon de pouvoir se conduire, une façon d'accéder au ministère. Ça, on reviendra prochainement. Donc aujourd'hui, le bien-aimé docteur, il est devenu docteur. Comment? Je ne sais pas. Il m'aidera prochainement. Peut-être qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Parce que moi, honnêtement, ce n'est pas respect que j'appelle docteur. Je vais être direct parce que j'aime être direct. Alors. Donc, c'est pour dire que le parcours de l'église de Kinshasa, depuis les années 88 jusqu'à aujourd'hui, j'en sais, si ce n'est pas tout, j'en sais la grande partie. Et très honnêtement, dans cette généalogie, je n'ai pas le docteur Adélard Mwepo Ndaye. Ça, on en parlera même en off, où on peut revenir là-dessus. Quand je parle ici, tous les bien-aimés de Kinshasa me connaissent. Les éminents hommes de Dieu, pour répéter, j'ai aimé la formule du bien-aimé. Donc, ils le savent. Quand je parle ici, ils savent que celui qui parle, c'est Nguissani, notre petit frère que Dieu nous avait amené, à qui nous avons apporté quelque chose pour qu'aujourd'hui, je puisse quand même me tenir sur ce plateau. Donc, ça, c'est l'une des deux. Bon, ça, on en parlera quand on aura l'occasion, c'est un autre débat. Le bien-aimé Adélard, tout à l'heure, a saisi un élément qui nous a fait sortir du sujet. Il en a eu un peu beaucoup. Malheureusement, on n'aura pas le temps. C'est un sujet. Quand on parlait des pères, des castrations et tout ça, ce n'est pas un souci. Par contre, bien-aimé, c'est que vous avez dit tout à l'heure, je ne l'ai pas dit ou sinon vous ne m'avez pas compris. Quand je dis que l'évangile éternel a reçu la mission de purifier, de purer et de blanchir. Pourquoi j'en parle de cette manière? Vous avez, je crois, peut-être que vous ne m'avez pas bien suivi quand j'ai parlé du pourquoi de l'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel, j'ai bien dit que à tout moment, c'est une connaissance qui vient de la part de l'éternel, donc notre Dieu, et qui, à un temps donné, vient pour pouvoir exécuter, telle la pluie, la volonté de Dieu pendant ce temps. La pureté qui a saisi le bien-aimé en disant que cet évangile purifie parce qu'il est pur, parce qu'il vient de Dieu. La loi était venue de Dieu. Mais la loi n'a amené personne à la perfection. Pourtant, c'est venu de Dieu.
C'est pour dire une chose. C'est-à-dire que, justement, si on saisit les choses de cette manière-là, on va faire l'amalgame partout. Mais sachez une chose bien aimée, c'est que la loi venait de la part de Dieu. La loi était sainte, comme Paul l'a dit. Paul dit que la loi est sainte, mais moi, je suis charnel, livré au péché. Donc, la loi était sainte, venue de la part de Dieu pur, mais la loi n'a apporté personne à la perfection parce que la volonté de Dieu en ce moment-là, ce n'était pas que l'homme devienne parfait. Parce que nous avons dit que la parole de Dieu, c'est une pluie qui vient. Elle vient comme la pluie pour exécuter la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si la volonté de Dieu veut que ces peuples-là puissent s'entretuer œil pour œil, dent pour dent, la parole va se limiter à les aider pour s'entretuer œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Donc, c'est dit. De deux. Quand nous disons que l'homme qui doit apporter l'évangile éternel doit être pur, là nous venons encore comme de l'époque du groupe de prière. Je veux dire, parce que dans les groupes de prière, je me souviens, j'étais prédicateur du groupe de prière, nous avions dit qu'il faut que l'homme de Dieu qui apporte l'évangile soit parfait. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas le ramasser dans un quelconque mal. Cet évangile est faux, diabolique et archi-faux. Ça vient de l'enfer, je lance le débat. Ça, c'est d'une. De deux. Oui. Donc, cette pureté, c'est la pureté des pharisiens et des sadducéens. Et je condamne ça publiquement. Je lance le débat pour tous les hommes de Dieu qui me suivent dans le monde entier. Je vais vous donner mon téléphone par le biais de Casarema, si vous voulez appeler. Ou sinon, vous appelez le docteur Odilon. Je suis toujours, je mange et je dors avec lui. Donc, c'est pour dire une chose, cet évangile est satanique, je le répète, satanique et diabolique. Parce que nous avons compris que la mission de l'Éphésiens chapitre 4, qui est un esprit, parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons du ministère, quand nous touchons le ministère, c'est l'Éphésiens chapitre 4. Et l'Éphésiens chapitre 4, c'est un esprit, c'est le serviteur de Dieu. Parce que Dieu n'a pas plusieurs serviteurs. Dieu a un seul serviteur, nous reviendrons. Merci, on va en revenir après parce que il y a quelque chose que le docteur Odilon répète très souvent. Il dit que, comme vous avez dit tout à l'heure, les Paul, les consorts connaissaient en partie, mais vous, vous connaissez en totalité. C'est ça que vous dites, non? Ok, vous allez nous répondre juste après. Mais moi, d'abord, j'ai une question pour vous, docteur Adélard, à savoir que le père spirituel, qui est le père spirituel véritablement? C'est la personne qui va gagner les âmes ou bien c'est la personne qui prêche à l'église? Merci, ma soeur Liz, pour la question. Avant de pouvoir aborder cette question, je vais devoir rebondir sur deux éléments. Vous savez, c'est plus facile de dire diabolique et satanique. Nous avons fait de notre mieux pour enlever ces langages dans nos expressions. Amen. Quand quelqu'un est dans le faux, il faut l'aider à comprendre. Remarquez. L'évangile que nous prêchons, les gens sont en train de confondre la perfection et vivre la vie de sainteté. Ils confondent, ils mélangent, parce que nous disons, ce n'est pas les Français. Malheureusement, les gens croient que nous parlons français. Nous ne parlons pas français. Je reviendrai sur la question que j'ai de poser. On ne peut pas. Je parcouris les Écritures. Des Genèse à l'Apocalypse, je dis bien. Je n'ai pas vu un sacrificateur lépreux. Il n'y en a pas. J'ai vérifié les apôtres. Cela ne veut pas dire que nous ne péchons pas. Non. Je crois que d'une manière ou d'une autre, nous tous, nous péchons. Mais je crois qu'on doit reconnaître que ce n'est pas le fait de ne pas pécher qui fait de toi véritablement enfant de Dieu. Non, non. Mais celui qui sert Dieu doit faire une différence avec les païens. Il faut que nous, prédicateurs, que nous fassions un effort pour qu'on voie la différence entre nous et ceux qui ne servent pas Dieu. Cette différence n'est pas seulement dans l'explication de l'Écriture, elle est aussi dans la vie que nous menons chaque jour. Ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. C'est apprendre à laisser. Ce n'est pas une condamnation pour quelqu'un. Et nous croyons aussi, ma soeur Lise, que lorsqu'un homme a péché, parce que ça peut nous arriver, Dieu dit qu'il reconnaisse qu'il a péché, qu'il prend la résolution d'abandonner et qu'il continue la nouvelle marche. Donc, je ne vois pas si quelqu'un ayant commis un péché qui s'est repenti, qu'on va refuser. Mais quand tu demeures dans le péché, c'est là qu'il va probablement se poser un problème. Là, n'est pas la question. Mais comme Jared m'a posé une question
comme ça, par un langage détourné. Voyez-vous? Donc, je vais devoir y répondre. Vous savez, quand Paul... Voici une fausseté qui a été dite sur ce plateau. Que Paul est allé à Jérusalem pour vérifier. Voilà là une fausseté toute crue. Parce que c'est une lecture de la des noir sur blanc. Paul rencontre le Seigneur sur le chemin de Maïs. Le Seigneur l'envoie sur le chemin de la droite. Chez un homme. Il y réside chez cet homme-là. Les écailles tombent de ses yeux. Lisez les livres de Corinthiens. Paul, dès qu'il a fini là, il est allé dans les églises des Asies. Il a installé. Paul dit, je suis revenu 3 ans plus tard. Ici, nous sommes en train de dire ceci. On ne revient pas vers les aînés pour vérifier la conformité de son ministère. Non. Parce que ce ne sont pas les aînés qui donnent. On revient vers les aînés pour que les aînés constatent que Dieu a visité cet homme. C'est ce que Paul a fait. C'est pourquoi vous remarquez. Je vais vous dire une chose. Je vais permettre de bien gérer. Si c'était question de vérifier, Paul, avant d'aller enseigner, il a d'abord commencé par voir Pierre. Il dit, bon, écoutez, je voudrais aller sur les champs. Est-ce que j'ai la bonne chose? Mais Paul s'en va déjà, il établit des églises. Et ensuite, quelque part là-bas, il se pose un problème sur judaïser. Je crois que c'est, n'eût été la question du judaïsme, Paul ne serait pas revenu à Jérusalem. Il est revenu parce qu'il s'est posé une question, devons-nous judaïser ou pas? Il est revenu. Et écoutez, et puis quand Paul est revenu à Jérusalem, Paul était convaincu que ce qu'il avait, il avait reçu des dieux. Quoi que les autres lui ont dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, mais Paul savait que même les viandes sacrifiées aux idoles, on pouvait les manger, qu'il n'y avait aucun péché. Mais comme l'église était dans la nouvelle marche, pour ne pas scandaliser les petits, écoutez, pour ce qui est des viandes sacrifiées aux idoles, laissez. Donc, Paul n'est pas allé rechercher l'appui de son ministère. Je vais y revenir là-dessus. Parce que les bien-aimés veulent savoir comment je me suis retrouvé au ministère. Il est vrai que quand j'ai quitté Kinshasa, je n'étais pas... Vous n'êtes pas Melchisedec. Oh non, pas du tout. Parce que j'ai dit que j'ai été prêché par des gens. Donc ce que j'ai dit n'est pas venu de moi-même. Donc c'est un peu l'ensemble de tout ce que Dieu a mis dans ses serviteurs. Parce que c'est au seul ministère. Oui. Ah. Est-ce aux frères de savoir si telle ou telle personne est leur vrai, véritable frère? Ou bien c'est au père de dire que tel et tel... Telle ou telle personne est mon fils. Bon, là c'est comme j'ai dit, donc moi personnellement, moi je ne peux pas devenir fils de quelqu'un par force quand même. Hein? C'est la moindre des choses, donc on ne nous a pas devenu père. Pourquoi on non, veut... en disant cela, là c'est comme si non, c'est vos qui... frères. C'est non, vos, c'est le... vos frères, ils doutent que vous êtes l'un des leurs. Alors, c'est pour ça que moi je voudrais savoir, est-ce que c'est au père spirituel de reconnaître si vous êtes véritablement l'un de ses fils, non, ou bien c'est au frère de déterminer si vous êtes réellement l'un de leurs frères. Vous m'amenez sur un intérêt glissant. D'abord, moi, je ne reconnais pas cette notion du père, donc je ne peux pas répondre à cette question-là, parce que je ne reconnais pas que j'ai un père spirituel. Vous comprenez? Je d'accord. Reconnais... Mais ma question, la première question que je vous avais posée tout à l'heure, vous n'avez pas répondu, c'est de savoir... le père spirituel, c'est celui qui gagne les âmes ou bien c'est celui qui est à l'église et qui prêche? Je crois que dans mon intervention, j'ai précisé que lorsque nous parlons du père, nous disons que le père, c'est l'éternel Dieu lui-même. Et l'éternel dans l'église, il a établi les ministres. Vous savez, il y en a 5. Je précise ici, dans l'exercice ministériel de chaque ministre, le champ extérieur est réservé à l'apôtre et à l'évangéliste. Le champ extérieur. Les gens qui vont dehors, dans les campagnes. C'est l'exercice évangélique et apostolique. Bien que tous partent de l'intérieur. Et à l'église, nous avons le prophète. Je parle ici du ministre prophète, pas du don. Du prophète, du pasteur et du docteur. C'est comme ça que ça... Mais dans tout ça, tu vois, comme Éphésiens dit ceci, c'est ici toute l'intelligence de l'Écriture. Éphésiens dit, le même qui est descendu, c'est
c'est Christ. C'est le même qui est monté. Maintenant, en montant, il a fait les dons aux hommes, les uns comme. Donc, nous comprenons. Et l'apôtre, et l'évangéliste, tout, ne sont que l'ombre du véritable. Donc, en réalité, que l'évangéliste ait travaillé, que l'apôtre ait travaillé, que le docteur ait travaillé, nous nous saisissons qu'en fait, c'est le Seigneur qui opère tout, en tout et pour tout. Merci. Alors, j'aimerais revenir au docteur Roger. Alors, quand vous parlez de la personne qui apporte l'évangile, il doit être pur. Qui ne l'est pas? Quand j'ai touché cet élément, c'est par rapport à l'enseignement qu'a présenté notre bien-aimé Odilon. Le jour qu'il a présenté, qu'il commençait à citer le nom de ceux à qui il lance les défis, il a parlé d'un élément qui m'a un peu écœuré, comme on dit. Pourquoi? Vous le suivez à la lettre, je vois. Oui, mais on doit le suivre parce que c'est un bien-aimé. C'est pas tout ce qu'il dit est faux. En tout cas, nous aimerons ici que vous puissiez comprendre qu'on est en train de parler des choses de Dieu. Donc, quand il y a un élément qui n'est pas juste, c'est là où nous intervenons. On ne dit pas que tout ce qu'il a dit est faux. Mais les choses qu'il a dit devant le public et qui nous a poussé à venir en ces lieux, c'est pour cela que nous avons quitté nos pays pour venir ici en France. En fait, il a touché un élément pour dire, ben, je vous mets en défi. Il a cité des noms que je n'aurais pas cités ici. Et par rapport à l'enseignement de la dîme, par rapport à l'enseignement du Père, mais il a quand même évoqué un élément soi-disant, en tout cas moi je l'appelle ça un peu crainte, que j'aimerais que le bien-aimé, parce que nous avons quitté le pays, nous voulons quand même que le bien-aimé nous dise la vérité là-dessus. En tout cas, la question n'y était pas ce jour-là, mais aujourd'hui nous avons l'occasion d'avoir une personne qui modère cette réunion. J'aimerais que la personne puisse lui poser cette question. Il a dit... C'est que je reconnais que quand vous allez venir ici pour parler de votre enseignement ou de parler sur le sujet que j'ai mis sur la table, ne venez pas pour brandir le péché. Vous voyez? Donc, quelque part, nous disons que le bien-aimé se reconnaît quelque part, si pas lui, peut-être une personne à qui nous, en venant ici, nous pourrions brandir ses péchés ou le mal. Donc, c'est pour cela que je dis, s'il reconnaît cette chose... Donc, quelque part, l'évangile annoncé par cette personne qui lui a peur qu'on puisse brandir ses péchés, alors cet évangile, on doit le contrôler parce que, comme je l'ai dit... Vous parlez du docteur Callot? C'est à lui de le dire. Moi, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc, c'est à lui de nous dire la personne à qui il avait peur de dire que ne venez pas brandir le péché. C'est quel péché et c'est quelle personne que lui ne veut pas qu'on puisse brandir ici devant. Docteur Odilon, à vous de répondre. Vous avez le micro. D'abord, je voudrais donner une précision sur le Père en lisant une écriture de Timothée, chapitre 2. Au premier, il est dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est-à-dire, En appelant Timothée père, fils, il se place dans le champ où lui, il a enseigné Timothée et que Timothée a un dépôt et qu'à son tour, il devra confier ses dépôts à d'autres. C'est ça ce que le bien-aimé a souligné tout à l'heure. Ça veut dire que dans l'évangile éternel ou dans l'évangile, il y a la généalogie. Voilà pourquoi, quand on parle de Jésus, on sortira jusqu'à Adam. Quand nous parlons du ministère, nous devons éclaircir les choses. Les ministères, dans l'ombre, les ministres, nous avons vu que c'était Aaron. Et Aaron avait été présenté. Voilà pourquoi, quand Jésus lui-même est venu, il avait aussi été présenté par son Père et que Jésus, à son tour, il dira aux apôtres que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà pourquoi nous parlons de la hiérarchie. Pourquoi Dieu a fait cela? C'est pour que c'est lui qui t'a confié ces choses. Parce que quand on reconnaît le ministère de quelqu'un, c'est à fonction
de l'enseignement que tu lui as confié, quand tu vois que il garde les dépôts, c'est alors que tu reconnaîtras que non, l'enseignement que moi j'avais reçu se retrouve dans telle personne. Écoutez-les. Ça, c'est la précision que je voulais donner à propos du père qui engendre, qui est différent du père spirituel, qui est Dieu lui-même, qu'on ne peut appeler personne sur la terre père. Alors, j'aimerais comprendre la seconde question que vous m'avez posée. Vous n'êtes pas ici. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, docteur Roger. La personne qui modère m'a posé une question pour dire, je parlais de la pureté, de la personne qui porte l'évangile. Alors, je lui ai dit, je ne saurais citer le nom de cette personne, parce que si j'ai dit cette chose, c'est par rapport aux propos que vous avez tenus dans un lieu public, vous voyez. Et moi, je trouve que c'était, en fait, un couteau que vous vous êtes lancé vous-même. Pourquoi? Parce que en disant, en tout cas, les défis étaient bien, parce que nous, comme vous le savez, dans l'évangile éternel, on n'a pas peur des questions ou des débats. C'était bien de lancer ces débats, mais le couteau que vous vous êtes lancé vous-même, vous avez dit que je sais que quand vous allez venir ici, vous allez seulement brandir le péché. C'est par rapport à cela que moi, ici présent, devant le public, parce qu'il y a beaucoup qui nous ont posé la question, parce qu'ils étaient dans des questions énormes, en disant, mais quel est ce péché que le bien-aimé est en train de dire que nous, en venant ici en France pour débattre, que nous allons brandir, vous voyez? Alors, c'est par rapport à cela que je veux que le bien-aimé nous dise quels sont ses péchés, parce qu'il les reconnaît. Il reconnaît du moins qu'il y a le péché que nous allons brandir. C'était le bien-aimé Odilon qui l'a dit, donc qui nous répète cela. Voilà, donc c'est à la question. À vous la parole, docteur Odilon. En disant cela, j'avais dit une chose. Que dans la parole, nous voyons un esprit. L'esprit qui était dans les pharisiens. Cet esprit-là, quand ils sont venus vers Jésus pour l'éprouver et chercher un défaut, dans son enseignement, ils ne trouvaient pas. Alors ils ont commencé à dire aux gens, il ne faut pas écouter cet homme-là, parce que c'était un pécheur. J'ai touché l'écriture qui dit que il y a un accusateur de nos frères. C'est-à-dire, cet esprit-là, nous ne le voyons que du côté du diable. Et que parmi les serviteurs de Dieu, les apôtres, nous n'avions jamais vu quelqu'un venir dire que n'écoutez pas cet homme-là parce que c'est un pécheur. Voilà ce que j'ai souligné. C'est pourquoi j'ai dit que celui qui viendra, il faudrait que nous parlions des Écritures. Que si vous voyez quelqu'un venir parce que nous ne sommes pas parfaits sur la terre, et que quand quelqu'un atteint la perfection, c'est ce que le prophète a dit tout à l'heure, il partira de la terre, selon notre enseignement. Alors, si vous voyez quelqu'un sur la terre, c'est-à-dire qu'il a une faiblesse quelque part, et que Dieu devra faire le travail. Mais si vous voyez quelqu'un venir, dans ma propre ville, il trouvera une faiblesse quelconque. Mais que le peuple voit plutôt l'enseignement. Mais s'il voit quelqu'un venir dire que moi j'ai fait telle chose, que le peuple sache que c'est l'esprit des pharisiens. Voilà ce que j'ai dit. Voilà, on va marquer la pause et puis on va se retrouver après. Merci. Allons tous ensemble, répétons ces paroles, tout le temps sur la terre. Allons, allons, glorifions l'éternel. Allons, nouvel album, Avoir l'amour de Dieu, frère Domingo Sand. Un album déjà disponible sur Casarema et sur les points de vente habituels. Les mauvaises compagnies, venez à Jésus, vous aurez la récompense. L'homme dans un profond sommeil, NDK, Ozolala, Lamuka, Peyoka, Avoir l'amour. Moi j'ai choisi d'abord.
où es-tu aujourd'hui? Papa Domingo Sanda, Amemeli Bisso et Comédie Asika. Sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a tout payé. Comme il est la tende, Yuka album, avoir l'amour de Dieu. Un album de consolation, un album qui vous apporte du baume au cœur. Avoir l'amour de Dieu, c'est votre album, avec le frère Domingo Sanda. Nous voilà de retour sur votre chaîne de Casarema, casarema.fr, votre site internet, votre émission Casarema Live. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous des prédicateurs de l'évangile éternel, 4, 5 même, je peux le dire ainsi, parce qu'il y en a un qui a dû se déplacer. Nous avons reçu pour vous deux personnes, l'un qui vient de la Belgique, je crois bien, le docteur Roger, et il y en a un autre, le docteur Adélard. Pas la minoka, bah docteur, non, bah docteur. Ming, ming. Nous avons reçu aussi le docteur Adélard, lui il vient du Canada. Ici nous avons le docteur Odilon Moulenda, et là maintenant vient nous rejoindre le pasteur Christian Etoué. Voilà. Tout à l'heure c'était le prophète Jérède qui était là avec nous. Il est remplacé par le pasteur Christian Etoué. Enfin, nous avons aussi un pasteur. J'ose croire que tout ce qui a été dit ici pendant plus d'une heure, vous avez saisi. Et si vous n'avez pas saisi, leur numéro de téléphone s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez les appeler chacun. Ou à l'obéla qui dit qu'il y a un père spirituel, vous bengiez, vous comprenez, il y a un père spirituel, a expliqué Bino. Ou à comprenez, qui peut être évangile éternel, c'est quoi? Vous l'appelez, ainsi de suite. Je pense que nous parlons toujours autour de la Bible. Et chacun pourra essayer de vous éclairer toujours au moyen de cette parole. Merci beaucoup à la réalisation qui est tenue par le main du maître, le grand réalisateur qu'on appelle le visionnaire, frère Blaise Manzambi. On n'oublie pas Michel-Ange Ndongala qui était aussi au cadrage. Alors, nous allons poursuivre ce débat, ce partage biblique avec nos docteurs, nos pasteurs, nos prophètes que nous avons reçus aujourd'hui sur casarema.fr. Eh bien, pour continuer, j'avais une question aussi à vous poser, chers docteurs, pasteurs et autres. Vous prétendez chacun parler de l'évangile éternel, vous êtes de l'évangile éternel, mais vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord du fait que le père que eux parlent, le pasteur Kalo Kabunda, docteur, hein, Kalo, je ne sais pas, il est docteur ou pasteur? Docteur? Docteur. Le docteur Kalo Kabunda, vous n'êtes pas d'accord avec lui sur certains de ses enseignements. Vous parlez aussi du fait que Sokimutu, Akwei, il faut qu'on dénonce Angou. C'est bien cela. Mais leur part, eux, ils disent que Atamutu, Sokakwei, Loko, la Yende Mutaza, détenteur, Yaliloba, il faut qu'on a toujours pour respecter Makambo Azoloba. Je crois que c'est ça que vous défendez. Docteur Odilon? Nabimi, To Ezabou? Oui, Obimi. Mais qu'à éclaircir Bissou. Pouvez-vous nous éclaircir par rapport à cela? Nous disons ceci. Je reviens encore pour... parce que là, nous allons conclure sur ce thème du Père. Mm-hmm. Nous avions dit que dans l'Évangile éternel, il y a un Père qui nous a engendrés. Mm-hmm. Et il y a les Écritures qui prouvent qu'il n'y a qu'un seul Père et plusieurs maîtres. Donc c'est dommage que nous n'ayons pas le temps de conclure sur cela. Voilà pourquoi nous considérons le docteur Kalo étant notre père qui nous a engendrés tous dans l'évangile éternel. Même voilà si, même s'il sort un petit peu de la parole. Nous ne sommes pas là pour parler de la vie des gens. Parce que quand nous allons parler de sortir, ça va nécessiter aussi une émission. Parce que dans l'évangile éternel, quand nous disons quelque chose... Nous devons rentrer dans sa profondeur. Mais ne prêchons-nous pas ce que nous vivons? Si je disais, la Bible dit tomber. Si nous prenons les tombés, ça va nécessiter une émission, je répète encore une fois. Donc, limitons-nous sur ce que nous disons,
que nous avons un Père que nous reconnaissons dans l'Évangile éternel, qui nous a apporté ces choses et que lui, il a les ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire, quand il dit quelque chose, depuis toutes ces années, toutes ces décennies qu'il nous a enseigné, nous ne l'avons jamais vu dire quelque chose de la part du Seigneur et venir se repentir. Voilà la grâce que Dieu lui a donnée. Mais moi, il y a autre chose que j'aimerais savoir. Alors, qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment lui le détenteur de l'Évangile éternel? Parce que vous n'avez pas parcouru toute la terre pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un en Amazonie qui parle de l'Évangile éternel. L'Évangile éternel que nous confessons, déjà, si tu regardes, tu verras que nous sommes les ressortissants du Congo. Parce que Dieu a fait cette grâce-là à ces pays, les Congo, où ces choses ont commencé. Mais si justement nous passons aussi dans les ondes, c'est parce que nous espérons aussi voir quelqu'un venir aussi confesser la même chose que nous à travers le monde. Et nous l'accepterons comme notre frère parce qu'il parlera, il aura parlé comme nous. Parce que l'Évangile éternel, c'est un langage. Voilà pourquoi j'ai lancé un défi par rapport à ce langage-là, dont le sujet dont nous allons parler tout à l'heure sur l'infidélité. Voilà pourquoi celui qui ne parle pas comme nous, c'est là qui nous pousse à dire que nous ne confessons pas la même chose, donc nous ne sommes pas de la même évangile. Voilà. Alors, docteur Adela, c'est vrai que souvent aussi, des fois, quand vous prêchez ici, même sur Casarema, quand il faut « tanga bakomba batu »« pona rolobe la keno »« tel moutazo s'est comporté mabé »« tel moutazo tamola mabé » vraiment, tu ne mâches pas tes mots. Vous ne mâchez pas vos mots. Vous le dites clairement. « Tanga rapé bakomba batu » quand il faut « kotangango » même... Le docteur Adela Obandar Otangaï a raison pour laquelle aujourd'hui il est là en personne. Alors, oui. Quand on parle maintenant, il y a Ekobu, il y a docteur Kalo, pourquoi est-ce que vous faites un peu d'échappatoire? Quand nous citons les noms, c'est par rapport aux Écritures, parce que tout ce que nous faisons, nous nous appuyons aux Écritures. Nous avons vu Moïse citer des noms de Corée, Dathan et les autres qui se sont opposés à la parole. Nous avons vu aussi Paul citer certains noms d'Hyménée, Philète et Alexandre parce qu'ils se sont opposés aussi à ce qu'il disait. Voilà pourquoi nous disons que cela nous sert de témoin que quand Dieu fait quelque chose, il vient toujours choisir un vase. Au travers de ces vases-là, il y a d'autres ministères qui sortent. Voilà pourquoi tout à l'heure nous avions parlé de la généalogie comme... Nous voyons le ministère commencer à sortir par Aaron et la famille d'Aaron par la suite. Et nous venons voir que la Bible nous dit que personne ne s'attribue cette dignité. Voilà pourquoi nous soulignons cela. Merci, merci. Docteur Adelar, alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce qu'il vient de dire? D'abord, je voudrais préciser que pour que ça ne porte pas à confusion, hein? D'ailleurs, en parlant, il est plus facile de dégager la différence qu'il y a entre nous. Nous ne considérons pas que l'évangile éternel a commencé au Congo, bien que je suis congolais. Donc, ça va contredire toute la prophétie. Dieu n'est pas un Dieu de Congolais. Quand vous lisez la Bible, vous verrez, Dieu a fait une alliance avec un peuple du matin, qui est Israël. Ensuite, il a fait une alliance avec un peuple du soir qui est toutes les nations de la terre. D'ailleurs, cette délimitation congolaise est une délimitation qui vient de la conférence de Berlin, donc, qui a été faite en 1880. Donc, on ne peut pas aujourd'hui prétendre que... d'ailleurs, il y a des tribus au Katanga qui sont de ce côté, la même tribu et les mêmes ancêtres qui sont en Zambie. Donc, ça, c'est très, très mal présenté... les choses de Dieu. On peut parler d'une histoire de l'église, des assemblées des saints au Congo, je comprendrai bien. Mais là, je crois que c'est un zèle un peu trop. Ça, c'est un. La deuxième chose, j'ai dit ici pour que le bien-aimé qui nous suit saisisse bien. Les Écritures nous renseignent sur la pensée des dieux. Cette chose, je voudrais que vous puissiez la retenir même quand vous dormez. Toute la Bible, il est question de Dieu. D'ailleurs, le bien-aimé Jared l'a dit quand il était avec nous sur le plateau. Il a dit, toute écriture est inspirée de Dieu.
Donc nous comprenons que quand nous lisons une écriture, il faut vous mettre en tête que cette écriture explique la pensée de Dieu. Cette chose, elle est importante. Pourquoi j'ai dit elle est importante? Elle est importante parce qu'elle nous empêche que nous, en tant qu'humains, que nous puissions nous approprier des portions des écritures pour faire asseoir toute une doctrine. Parce que c'est un peu la manière dont le bien-aimé Odilon a essayé d'expliquer les témoins. J'ai dit ceci. Il n'est pas dit parce que Paul a cité tel. Tel, ainsi, nous pouvons récupérer ce verset pour en faire une interprétation particulière. Pourquoi je dis ça? C'est très dangereux parce que je peux également dire un jour que David a couché avec la femme de son serviteur. Je prends aussi une écriture. C'est comme ça que beaucoup abusent des femmes d'autrui. Une vision pyramidale, on reviendra si le Seigneur le permet, parce qu'une vision pyramidale qui place un homme au sommet de la pyramide est contre la prophétie de Genèse en Apocalypse. C'est ce que tous ces gens ont fait ici. En commençant par, je m'excuse que je dis ça, vous me pardonnerez, en commençant par toutes les églises qui se reconnaissent en un homme. Je ne voudrais pas citer des noms pour que vous ne me demandiez pas un débat. Donc, on sait que c'est la tête. Oh, je vais finir ici parce que j'ai senti quelque chose qui vient. Oh, vous allez comprendre que le sommet, c'est le chiffre 1. Et sur le sommet ne peut s'asseoir qu'une seule personne. Et à lui qui revient la gloire. Voilà un peu l'élément que j'avais voulu voilà. ajouter. Alors, pour poursuivre un petit peu avec vous, une autre question. Est-ce qu'une personne qui marche dans l'adultère, l'impudicité, peut-il continuer à prêcher? Oh, ça dépend. Ça dépend. Je considère qu'un homme peut tomber dans les péchés d'adultère. Ça peut arriver. Ce n'est pas... c'est pas étonnant. Si ça devient continuel. Voilà. Donc là, la question... vous avez changé de question. La question devient... quand ça devient une répétition, alors nous avons l'obligation de nous poser la question. Mais là, je ne parle pas de n'importe quel homme, hein, s'il s'agit du père spirituel. De quel père spirituel vous parlez? Votre père spirituel. Moi, je n'ai pas un père spirituel. Je vous l'ai dit, je le répète tout de suite ici. Je n'ai pas un père spirituel. Mm-hmm. Je n'ai pas un père spirituel, donc je ne viens pas sur les plateaux pour parler de quelqu'un. Voilà, merci, merci, merci beaucoup. Docteur Odilon, je reviens vers vous. Dans votre prédication précédente, vous avez parlé de « l'infidélité n'est pas l'adultère ». Alors, que voulez-vous dire? Parle. Moi, je pense qu'il y a le pasteur Christian qui s'impatientait pour justement intervenir sur ce qui s'est dit tout à l'heure. Je pense qu'il serait mieux quand même qu'on l'entende parce qu'il est là. Ce que j'allais dire, c'est que... donc, j'allais juste dire que non, avec ces débats, j'ai suivi les débats, les bien-aimés ont donné des versets. Nous, dans l'évangile éternel, pour croire à quelque chose, si quelqu'un donne un verset, comme tout à l'heure, nos bien-aimés ont donné un verset, qu'on dit, Paul dit à Timothée, mon fils, ce que tu as appris de moi, confie-le à d'autres. C'est-à-dire qu'il a aussi dit quelque chose qui est non. N'aie pas honte de témoigner Jésus-Christ d'abord et à moi son serviteur. C'est-à-dire dans l'évangile éternel, avant de passer à autre chose, il faut d'abord que nous puissions d'abord débattre sur cette écriture. C'est-à-dire, il faut que vous soyez capable de contredire d'abord cette écriture. D'abord, il faut d'abord voir le respect de l'écriture. Parce que l'écriture a été déjà donnée, mais c'est comme si on le fait passer pour rien. Oui, c'est vrai, tout ce que le bien-aimé Adélard a dit, ça paraît quelque chose qui est non, vraiment. Donc, ça dit pour les gens qui ne connaissent pas la Bible, vont automatiquement dire que non. Mais je vous dis, bien-aimé le Seigneur, nous sommes là pour vous ouvrir les yeux. Parce que vous savez, l'écriture qu'il a dit, c'est 1 Corinthiens chapitre 4, vite fait, sur verset 17. Hein, de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Écoutez bien. Je lis au nom de Jésus-Christ. Non, je commence par le verset 5. Car même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi, écoutez, c'est moi, là il faut m'expliquer le moi. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Si vous voulez interpréter que le moi là c'est Jésus-Christ, alors nous disons que non, Paul dit que non, c'est Jésus-Christ qui vous a engendré en Jésus-Christ. Là, ça devient la tautologie dans l'évangile. Bien aimé le Seigneur. Pasteur, le micro. La Bible dit ceci. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien aimé. L'évangile éternel, ce n'est pas seulement la révélation. Voilà là où les gens vont au-delà de la doctrine. Voilà. Il ne faut pas oublier que, bien aimé,
il y a l'aspect prophétique des choses, il y a l'aspect de la révélation, il y a aussi l'aspect doctrinal. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous parlerons par la révélation, nous parlerons par prophétie et par la doctrine. Mais par la doctrine, il faut savoir une chose qui est dans l'évangile éternel. Quand on parle de la femme, c'est la femme, pas la femme spirituelle, mais la femme aussi physique. Parce que moi, je crois qu'avec mes bien-aimés, et si nous voulons tous spiritualiser en disant que tout parle de Jésus-Christ, donc même la femme que Paul dit que je ne peux pas la femme d'enseigner, cette femme de cesser que c'est spirituel. Or, moi, je crois que par l'évangile que nous croyons, le bien-aimé Adela et nos bien-aimés croient que la femme que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 ou dans 1 Timothée chapitre 2, c'est la femme physique. Quand on parle du voile, on ne parle pas de la voile, du voile spirituel. C'est des voiles comme ça, à moins que vous croyez que la femme peut porter le voile. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans l'aspect doctrinal, il y a les choses naturelles. L'évangile est aussi pour naturel. Amen. Sinon, même, j'ai posé la question, mais bien-aimés, pourquoi vous êtes mariés? Alors, si le mariage était seulement spirituel, alors vous ne devez pas vous marier. Alors, c'est que le fait que nous marions, c'est diabolique. Vous voyez, quand on parle du mariage, qu'est-ce qu'il dit? Paul dit, le mariage, c'est par rapport à Christ. Mais dans l'évangile, nous expliquons par rapport à Christ, mais nous appuyons aussi à ce qui est naturel. Amen. Voilà pourquoi on parle du Père. Il y a le Père spirituel. Je dis Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais si Paul dit que c'est moi qui vous ai engendré dans la foi, cela veut dire quoi? La révélation. Parce qu'il dit je suis la porte des païens. La révélation, en ce qui concerne l'explication des choses, a été donnée à Paul. Le verset que bien-aimé avait dit, parce qu'il disait que non, Paul exerçait d'abord le ministère. Voilà pourquoi il est allé voir Pierre. Ça, c'est diabolique. Moi, j'ai donné le il a Galates chapitre 2, dit ceci. Avant que Paul aille d'abord voir Pierre, pour la deuxième, parce que Paul était allé à Jérusalem deux fois. Amen. C'était pas une fois. La première fois, il est allé, c'était 3 ans plus tard. Il est allé faire connaissance au bien-aimé qui avait l'évangile avant eux. La Bible dit que quand il est parti, il a vu que Jacques. Mais il dit 14 ans plus tard, j'ai monté par la révélation pour aller pour voir les colonnes, ceux qui ont reçu l'évangile avant moi. Il faut nous expliquer les colonnes, c'est qui. Alors, en allant là-bas, il a dit pour ne pas courir en vain. C'est-à-dire que tout le travail que Paul a fait, Paul voulait, non, il faut que je vérifie. Est-ce que si ce que j'ai reçu, je dois aussi vraiment vérifier avec les gens qui ont reçu cet évangile avant moi. Si je prêche la vérité ou pas. Pourquoi nous avons dit, s'il y a bien-aimé qui a reçu l'évangile éternel, n'importe où, bien-aimé, nous croyons que l'évangile éternel, nous avons dit, ça n'a pas commencé à Kinshasa. Nous avons dit ici que c'était depuis l'éternité. Amen. Mais la promesse ou la manifestation de cette promesse, Dieu l'a confiée aujourd'hui par un homme. Bien-aimé. Même la loi, pour qu'ils sachent connaître la loi, il a fait que Dieu passe par l'homme, qu'on appelle Moïse. La Bible dit ceci. Écoutez bien, juste une minute. De Timothée. Écoutez une précision. C'est De Timothée chapitre 3, à partir du verset 8. Écoutez bien. De même que Jannès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposaient à la vérité, étant corrompu d'entendement éprouvé en ce qui concerne la foi. Moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? Paul ici dit, de même que ces hommes se sont opposés à Moïse. Or, si nous voyons Jannès et Jambres, en principe, ils se sont opposés à un homme. Voilà, alors, docteur Adélard, par rapport à ce que le pasteur Christian Etoué vient de dire, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à cela? L'explication des chrétiens pour l'écriture, par conséquent, comme nous pouvons expliquer par la doctrine, vous comprenez? Talos serait donc, par exemple, Moïse, et dit-on-nous que nous sommes opposés à lui, nous sommes les autres. C'est là où j'ai commencé par préciser, un, nous n'avons jamais reconnu, car moi, je l'ai dit, je l'ai répété depuis que j'ai commencé l'émission ici, que je ne reconnais pas Talos seul, comme étant mon père, dans, que ce soit spirituel, dans la foi, je suis clair. Je reconnais que par Kalo, par Tambo, j'ai cité les noms, j'ai été enseigné. Donc, qu'on ne me ramène pas, c'est ça le problème, qu'on refuse de me ramener sous ces débats-là. Alors, est-ce qu'un fils peut-il avoir plusieurs pères?
Non? C'est là. Vous voyez maintenant? Logiquement, un fils ne peut pas avoir plusieurs pères. C'est pourquoi nous contestons cet enseignement. Donc maintenant, dites-nous quel est votre père. Mais je l'ai dit. Je l'ai mais expliqué. Vous dites maintenant qu'il y en a plusieurs. Non, non, non. Les gens qui m'ont enseigné. J'ai expliqué pendant tout le temps que j'ai parlé ici. Ok, donc les cinq personnes que vous avez citées totalisent en eux le père. Qui est l'œuvre du ministère, qui est le don que Dieu a mis à eux voilà. pour nous enseigner. Je ne résume pas ça dans l'homme. C'est ça le problème. C'est ça toute la difficulté que les gens ne comprennent pas. Je ne résume pas ça dans un homme physique. Ici, je voudrais pas qu'on mette fin à ce débat ici. Les bien-aimés sont en contact avec Calo. Qu'on en finisse. Parce qu'à un moment donné, nous sommes fatigués d'écouter ça. Nous voulons que Calo prenne un micro n'importe où. Deux minutes. Qu'il dise, je suis le père de cet évangile. C'est moi qui ai commencé ça. Nous allons tous fermer nos bibles. Je mets quiconque en défi que Calo ne le dira pas. D'accord, eh bien, dès demain, nous allons envoyer notre équipe de Casarema à Kinshasa aller chercher le pasteur, le docteur Kalo. Docteur Roger, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ça pour conclure justement et parler d'autres choses? Parce que moi, je crois qu'on avait déjà conclu, en fait, quand on a dit qu'on devait aller poser la question auprès de celui qu'on appelle père, n'est-ce pas? Celui qu'ils appellent père, c'est lui qui doit dire « je suis le père ». Mais quand le fils se met à dire que vous tous qui sont mes frères, notre père c'est celui-là, alors que le père lui-même n'a pas dit. En tout cas, il y a quand même, c'est absurde en fait. Quand Paul est en train de parler, il n'a pas nié, en tout cas de le dire, que je vous ai engendré en la foi. Donc si Kalo Kabunga, n'est-ce pas, est le père de l'évangile, nous l'avons dit, nous avons défié ici, au lieu de continuer à crier. Parce que là, je sais que je compris, c'est comme s'il y a deux enfants. Il y a un qui dit, toi, reconnais le père. Et l'autre dit, je ne les reconnais pas. Vous voyez? Donc, laissons maintenant que le père soit courageux de le dire devant tout le monde, devant le média, que c'est moi le père de l'évangile éternel. C'est là où vous allez voir que nous allons venir et l'affronter. Voilà. Merci beaucoup. Le sujet est clos. Nous allons passer maintenant au prochain sujet. Précédemment, le docteur Odilon Moulenda, ici à ma gauche, a fait une prédication ici sur Casarema où il a bien dit, je cite, « L'infidélité n'est pas l'adultère ». C'est bien cela, docteur Odilon. Docteur Adelard, vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce message. Pourquoi? Nous allons essayer de prendre le livre de Jérémie. Chapitre 3, je commence à partir du verset 8. La Bible dit, quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Le prophète Jérémie. J'ai dit que je me réserve d'entrer dans les interprétations. Restons d'abord dans la lettre avec le bien-aimé. Si ça demande, alors nous allons entrer dans les interprétations. Ici, le prophète dit clairement comment Israël est infidèle. Il est infidèle parce qu'il est adultère. Et il démontre que pour avoir été infidèle, Dieu lui donne une lettre de divorce. J'ai dit que nous n'entrons pas dans les interprétations. Et il vient surenchérir pour dire, j'avais pensé que sa sœur Juda, la perfide, allait comprendre. Non, elle aussi n'a pas compris. Elle est allée se prostituer. Comme Israël. C'est là où j'ai posé la question de savoir pourquoi les bien-aimés disent que l'infidélité n'est pas l'adultère. Je voudrais ici, si ce serait une question de parler français, on parlera français. Si c'était une question de parler français, nous parlerons français. Mais restons d'abord dans le contexte de l'évangile. Parce que l'infidélité, c'est une réalité englobante qui prend beaucoup d'éléments selon la prophétie. Donc, on peut être infidèle en volant, infidèle en calomniant, infidèle. Bon, on peut entrer comme ça. L'adultère aussi.
Donc, l'infidélité, c'est un tout. L'adultère était un élément à l'intérieur. C'est pourquoi je dis, n'entrons pas dans l'interprétation. Mais ici, le prophète Jérémie, il démontre la raison pour laquelle Dieu a accordé une lettre de divorce à Israël. Pour avoir été infidèle, il dit que c'est une infidélité et résulte par le fait qu'il était adultère. Donc, c'est là où j'ai dit, je ne crois pas que, à moins que les bien-aimés voulaient dire autre chose. Mais l'infidélité, c'est de l'adultère. Docteur Odilon, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ça? Oui, d'abord, je commence par bénir Dieu. Parce que nous avons lancé un défi. Et nous voyons quand même quelqu'un qui est courageux, qui vient nous défier l'enseignement. Comme ça, nous allons avoir l'occasion de nous étendre sur cela. D'abord, nous allons commencer par lire pour rappeler ce que nous avions dit dans Matthieu. Matthieu, donc, 19. Il est dit ceci. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. C'est-à-dire, pour commencer, ils viennent en premier pour éprouver Jésus, c'est-à-dire pour lui prendre un défaut. Alors, l'Écriture continue. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme dont ne sait pas point ce que Dieu a joint. Pourquoi donc ils reviennent? Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il les répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement c'est à qui cela est donné. Jésus commence par dire que cette parole est une parabole. C'est-à-dire c'est un message codé qui n'est pas donné à tout le monde. Il y a une chose que vous devez savoir. Les bien-aimés qui nous contestent, nous savons. Vous les contestez aussi, hein. Les bien-aimés qui contestent cet enseignement, nous on les comprend. C'est-à-dire ils commencent déjà par nier l'acte de la croix. Parce qu'à la croix, Jésus est mort pour l'adultère. C'est-à-dire l'adultère, c'est un péché pardonnable. Quand ta femme te demande pardon, tu lui pardonnes. Pour Dieu, cette femme n'a jamais commis d'adultère. Et vous continuez le chemin. C'est ça l'œuvre de la croix que Jésus a faite. Ainsi, nous disons ceci. Nous, nous comprenons ce qui n'arrive pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce n'est pas Christ qui vit en eux. Parce que l'homme naturel ne peut pas pardonner. Nous ne disons pas que l'adultère, c'est une bonne chose. Non. Une femme qui commet l'adultère, c'est tuer ton mari. Mais nous sommes dans les choses dédiées. C'est-à-dire c'est Christ qui doit vivre en nous. C'est Christ qui doit faire la même chose qu'il a fait devant la femme qu'on lui avait amené d'adultère, il a pardonné, ne pêche plus. C'est-à-dire, si on posait la question, une minute après à Jésus, est-ce que cette femme est adultère? Jésus dirait qu'elle n'a jamais commis d'adultère. C'est ça l'évangile éternel. Mais nous, nous comprenons tous ces bien-aimés. Parce qu'il y a une chose que vous ne savez pas. La plupart de ces bien-aimés, ils sont issus d'un tribu, un tribu Louba. Je n'ai rien contre les Balouba parce que moi, j'en suis un à 50%. Mais le problème, c'est quoi? C'est que chez Balouba, il y a les Chibaou. C'est-à-dire, ils ont peur des Chibaou. Parce que selon Chibaou, quand ta femme a commis d'adultère et que tu ne la répudies pas,
tu vas mourir. C'est-à-dire, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont peur de Chibao. Voilà la réalité. J'exhorte tous ces bien-aimés parce que nous faisons cela par amour. Si nous venons dénoncer ici, citer des noms, même dire que certains ne sont pas baptisés, j'avais précisé qu'un jour, ils me remercieront. Parce que nous voulons aussi qu'ils vivent l'écriture, c'est pour leur salut. C'est pas pour recueillir la gloire. Ainsi, nous disons ceci. Par cet amour qui nous anime, nous continuons à exhorter nos bien-aimés. Nous voulons qu'ils deviennent nos bien-aimés et que nous confessions la même chose qui est l'évangile éternel. Que Dieu vous bénisse. Allez-y. Non, je ne peux pas laisser passer ça. Le bien-aimé, pendant tous les débats, il était incapable d'articuler. Comme mouillé dans un tonneau. Il prend la dernière minute. Non, je voudrais que je précise ça. Donc, avec tout le respect qu'on doit à tout un chacun, nous avons exposé un point de vue. Vous avez exposé, le peuple va nous juger. Donc, ne venez pas nous donner des leçons sur une certaine manière de se comporter parce que nous n'avons pas cette habitude-là. Et nous n'avons pas non plus, et avec tout le respect. Mais je crois qu'il avait fini. Non. Le problème, c'est quand on vous donne la parole pour un mot de la fin, faites une conclusion. Ne venez pas dire des choses qui vont nous pousser à reparler. Parce que c'est ce que tu fais là. Donc, tu veux la démontrer parce que tu profites du micro. Vous savez? Mais j'aimerais juste revenir à quelque chose. Tout à l'heure, vous avez dit que concernant le docteur Callot, c'est sa vie privée. Mais là, vous commencez vous aussi à rentrer dans la vie privée. Je suis très désolé parce que le docteur Odilon, pendant tous les débats, nous avons vu Christian qui n'était même pas là, qui défend les Écritures. Lui est incapable de défendre les Écritures, aidé par Jéret à la fin. Restons dans le sujet, s'il vous plaît. Oh non, soyons quand même sérieux. La chose que je voudrais ici dire, à vous de pouvoir juger et de comprendre. Merci. Pasteur Christian, 2 minutes pour conclure. Oui, donc, vraiment, je remercie beaucoup Kazarema et surtout tous nos bien-aimés qui nous suivent et surtout nos bien-aimés aussi qui viennent de loin. Vraiment, c'est pas facile. Vous savez, l'effet aussi de les voir aussi, ils démontrent aussi l'amour qu'ils ont aussi pour parler aussi de ceux qui croient. Voilà pourquoi nous sommes aussi reconnaissants de pouvoir aussi partager avec vous. Voilà, donc ce que nous allons seulement dire, c'est que je crois que les débats continueront. Même si aujourd'hui on n'a pas tout touché. Donc nous aurons le temps de continuer. Par exemple, c'est un sujet qu'on n'a pas débordé. Comme notre bien-aimé Roger a soulevé un point sur la dîme. C'est très important. Nous allons encore débattre sur la dîme et certains enseignements. Voilà pourquoi. Donc si vous nous suivez, sachez que ce n'est pas pour tirer de la gloire que nous voulons vous démontrer que nous connaissons. Non. C'est juste par l'amour et surtout pour vous aider aussi, vous, Amen. Qui avez la fausse position par rapport aux Écritures, de revenir aux Écritures. Amen. C'est ce que j'allais dire, que le Seigneur bénisse. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés enfin à la fin. La prochaine fois, on parlera de Chibao aussi. Naïvité Soye Chibao, en mousse, c'est un Katia Bible. On était là pour parler de la parole, mais vraiment, en tout cas, on est ravis parce qu'on a terminé ce débat na confusion, na détente, je pense. Bitoumbe les quitté, parce que moi-même, j'avais peur quand même que moi, Bitoumbe les cas, mais Bitoumbe bimi na katinde à parole. Voilà, merci beaucoup à vous, honorable serviteur de Dieu, éminent serviteur de Dieu, docteur, prophète, pasteur et autres. Merci docteur Roger, merci docteur Adela, merci docteur Odilon, merci pasteur Christian Etoué, merci beaucoup au prophète Jéred, merci à l'équipe technique, Michel-Ange Ndongala qui était au cadrage, merci au grand visionnaire, le réalisateur Blaise Manzambi. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui nous ont assistés, ceux qui étaient là derrière. Merci à vous d'avoir pris de votre temps en tout cas pour suivre ce débat. J'ose croire que ça vous a fait du bien. Et comme toujours, soyez comme les chrétiens de Béret, vérifiez les Écritures. Pour peut-être que Babou Ngipe, ceux qui binopent, vous pensez avoir la véritable évangile. Boya, moi aussi je vous mets au défi. Venez ici, comme ça, nous allons retournez encore une fois de plus dans la parole de Dieu. Pour ma part, je vous dis merci et sachez que je vous aime.